Salut YouTube, salut à tous les abonnés de Bushcraft Charentais. si tu me déconcentres, ça va pas aller. Hein. Salut YouTube, salut à tous les abonnés du Bushcraft Charentais. Eh bien oui, nous voici repartis pour un petit bivouac. Comme vous voyez peut-être, écoutez, il fait super beau. Donc la nuit sera peut-être un peu fraîche. Il y a des gelées matinales encore en Charente-Maritime. Mais ça devrait être sympa. Alors ce soir, rien de prévu, juste prendre le temps de vivre. Et puis nous avons bien sûr notre petit Jérôme qui est là et qui nous rejoint pour ce petit bivouac. Hein, petit Jérôme ? C'est ça. Voilà. C'est ça, le petit Jérôme. Pour un nouveau bivouac. Voilà. Pour faire des petits tests, hein, voilà, de petits matériels, etc. Voilà. De petites choses et d'autres, hein, voilà, pour vous faire partager un maximum de choses. Et puis voilà. Et c'est parti. Allez. Ce soir, Jérôme donc a décidé de faire une petite bûche suédoise, là une torche suédoise, de manière à faire chauffer un petit peu les gamelles dessus. Donc les images vont parler un peu d'elles-mêmes. Hein. Voilà. Donc on va faire en sorte de couper cette bûche en 4. Voilà, donc on va essayer de trouver le fil le mieux adapté pour faire 4 morceaux sans trop galérer. Ah. Bon, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Alors maintenant, on va la couper en 2. Voilà. Hop. On va essayer de la reconstituer. Et le dernier morceau, en 2 également. Voilà. Hop. Voilà. Donc on a nos 4 morceaux. Voilà. Ensuite, voilà, je sens qu'elle tient, donc c'est bon. Je prends mes trois autres. Voilà. Non, ben disons que la bûche suédoise a bien commencé à partir, à prendre. Le chapatis bouge pas. Là-bas. On va prendre un sac plastique. Propre. Si possible. Si possible propre. Alors. Un petit peu de farine. Un petit peu de levure. Voilà. Non. On met la roche.
Oh, on mélange bien ça. Oh, c'est bien de le faire dans une poche parce qu'on n'aura pas les mains pleines de pâte, tu vois. Là, c'est comme à la maison. Ouais, ça va être pas mal. On est à la maison. Mais oui, on est chez nous. Bon alors. Alors, j'ai bien mélangé ma levure. Donc, tu as mélangé ta levure avec la farine. Ouais. Et je vais rajouter de l'eau dans le sac, tu vois. Dans le sac. Non, j'en ai. Dans le sac, un petit peu. Et faut, c'est pour ça qu'il faut se garder un peu de farine, parce que si j'en mets trop, tu vois, au moins qu'on puisse sauver les meubles. Pour ça, il faut un sac quand même un peu solide, tu vois. C'est des sacs qui sont chez l'acteur. Je t'arrête pas, Benny. Par contre, tu vois, l'eau est un peu fraîche, je pense. Ah oui. Et ça, pour la levure, c'est... T'as un petit peu de sel ? J'ai oublié le sel. Oh, n'importe quoi. Ouais, c'est bien de le mettre... Ça fait beaucoup ? Non, juste une petite pincée pour donner un petit peu de... Ouais, c'est pas mal ça. Ça là ? Ouais. Vas-y, mets tout. C'est bon. C'est pas mal. Hein. Ah là, la pâte, ça commence à être bien là. J'ai mon gros rouleau là, mais... T'as un rouleau ? Ma bouteille là, tu sais ma bouteille. Ah bah non, mais il y a des autocollants dessus, ça. Si, tu vois, là, regarde derrière toi, le long du banc. Ah bah oui. Ça, ça fait du poids. Ça fait du poids, et puis c'est bien lisse. Ouais. C'est prévu pour. Hein. Ouais. De toute façon, il faut les faire très très fins. C'est bon les boules là ? Oh, ça chauffe ça. C'est chaud. Ça c'est le racel. Alors, combien de chapati? Il faut les repasser à la flamme, tu vois. Ah ouais. C'est qu'à gonfler. Et à la flamme, tu vois. Ouais, elle est bien chaude. Et chaud.
T'en es où toi? Je sais pas trop là. Ok. Faut ça là-dedans ou quoi? C'est plus où t'en es? En ce moment, c'est un peu, c'est pas facile là pour toi. C'est cool, mais... C'est un mec qui perd des dangers. Ça prend un petit pic. La pique, la petite graisse. Tiens, la pique. La pique. Tiens, la pique. Oh putain. Direct. On en est où? Moi je pense que les chapatis finissent pour faire cuire ma soupe. Ah non, mais je vais la faire là. Ah, c'est impeccable ça. Qu'est-ce qu'ils sont beaux? Je vais la faire là. Ouais, les charnettes sont frais. C'est plutôt joli. Ah, ça y est, Jérôme, tu mets les pâtes. Ouais. Là, la torche suédoise a vraiment bien pris. Là, la torche. Petite saucisse à cuire, là. Je suis pas ça. On va remettre ce soir. Une petite tapiote de cola. Avec du romarin, du citron, des tomates. Et quelques aubergines aussi. Ça va être pas mal. Et avec les chapatis qu'on peut voir là. Qui sont vraiment bien réussis. Ça c'est vraiment... En bushcraft, ça, les chapatis, c'est super. Franchement, on les repasse au feu pour les gonfler un peu. Puis on avait de la super farine que Jérôme a ramené, donc franchement, ça fait toujours la différence. La qualité des produits, là, c'est une farine bio, elle est vraiment bonne. Je pense qu'on va essayer de récupérer, c'est de la farine bio du Cluselet, le moulin qui est à côté de chez Jérôme. Ça peut être bien d'en avoir aussi. On va vraiment essayer de chapatis avec. Bon, sur ce, je crois que je vais attaquer le repas du soir. Ah, regarde-moi ça, mon petit Jérôme. Regarde-moi ça, ces bons petits légumes. Regarde les petites courgettes. C'est bien cuit, hein. Ah ouais. C'est du bonheur. Petit citron vert. Chapatis. À souhait. Voilà. C'est cool. Le petit romarin qui vient du jardin, qui a fait son office. Et c'est encore bon d'ailleurs. On va le mettre dans le feu et ça va sentir bon ici. Voilà. Les petites tomates, les petites courgettes. Ça c'est super. Et ben moi je vois la vie comme ça. S'il y a des personnes qui pensent que sur Terre, du moins ici, c'est pas le paradis. Ah, c'est chaud. Retour aux valeurs sûres, à un rythme de vie naturel, plutôt normal. Ça c'est bon. Hein. Le poisson en papillote. Là, c'est un truc. Mon petit Jérôme, viens goûter ça. J'arrive, je mets. Viens goûter ça avant que le poisson reparte à la mer. Mais les enfants, pincez-moi. Alors, les chapatis, on va les repasser un peu à la flamme pour les faire gonfler un petit peu. Direct comme ça. Voilà. Ça c'est. Et pour un bivouac improvisé, hein, ouais,
C'est pas mal. Hein, pour un bivouac à l'arrache, c'est pas mal. Là, on est pas mal. Ah, alors voilà. Chapatise. Comme je les aime. Chaude. Gonflé. Super. Oh là là. Mais pourquoi vous achetez des Thermomix? Venez dans la forêt avec nous, c'est bien mieux. N'oublie pas qu'on a un dessert à préparer. Ah bon? Il y a un dessert à préparer. Une omelette sucrée aux pommes caramélisées. Oh, on va faire ça. On mangera jamais tout. Mais on mangera pas tout, mais personne ne vient pour partager avec nous. Venez. Mais venez partager avec nous. C'est bonne chose. Je sais pas. Allez, dessert. Allez, chapati, c'est bon. Alors, les œufs. Pour l'omelette. L'omelette sucrée. Pour deux. 6 œufs. Voilà. Deux. Trois. Quatre. On va pas pouvoir dormir. J'en fais quatre. Hein? Non, j'en fais six. Bah, je sais pas, c'est parce que c'est, ça donne. Bon, bah, je reviens tout. Bon. Non, on va pas pouvoir dormir, on va avoir trop mal. 6 œufs. Bah, manger, bien manger, ça m'empêche pas de dormir, moi. 6 œufs. Que on va battre. Avec une fourchette. Cuillère. Bon, j'aurais pu fabriquer un fouet avec des branches. Petite omelette. Voilà, une petite omelette. Et on va rajouter une formule magique qui est ici. Alors le secret, vous ne l'aurez pas. Ouh. Ah, c'est le vanille. Ah, il y a la vanille. Et hop, on ajoute notre sucre. C'est le vanille. On va le couper, ça. Ouais, ça sera coupé au montage que la cuillère est tombée dans le... Alors, ça... On va goûter un petit peu. Encore un peu. Par contre, on a mis les pommes. On a mis les pommes dans le feu, un petit peu à la façon des pommes de terre. Je sais pas si ça a marché. Hein. On va regarder ça. Bon, ça c'était du poivre qu'il y avait dedans avant. On a changé la recette hein, depuis. Hein. Il n'y a pas de poivre dans le. La petite omelette, voilà. Ça, on range ça, les œufs. Ouais, c'est du sucre que t'as mélangé, non? Hein? Du sucre que t'as mélangé. Du sucre que j'ai mélangé. Alors les. Oh, les pommes. Ça fait un peu comme des pommes au four, hein. Oh, ça sent bon. Ah, ça y est, elles ont cuit. Elles ont cuit? Ah ouais. Oh, c'est super. Les pommes sont cuites. Wow, c'est chaud. Ouais, David. Donc, les pommes sont cuites. On les a laissées combien de temps? Pas très longtemps. Hein. Regarde. Un quart d'heure, 20 minutes. Ah ouais. J'avais mis un petit bout de beurre dedans. Tu vois, le beurre, il a bien fondu. Ah, il y a les pommes. Regarde. Ah ouais, ouais. Elles sont super, hein. Oh là là. Ça sent bon. Ça sent bon, hein. Celle-ci est un peu moins cuite. Ah non, c'est bon. Et celle-ci, bah, tu vois, elle est cuite aussi, même si je l'ai pas, si je l'ai pas coupée en deux. Ah, elles ont compoté, c'est terrible.
Oh, non, elles sont belles. Ah, donc compoté, c'est super. Ça sent bon. Bon, on va pas mettre trognon. Ça non plus. Les voilà, pommes. On coupe nos pommes en petits dés. T'as fait bien de manger. On les met avec la cuillère dans notre solution. Parce que c'est dans une solution. Dans là, quand on est en forêt, en bushcraft, la solution, c'est ça. Hein, le dessert, c'est... C'est la solution. Ça, c'est la solution. Pour se faire plaisir. Et là, ça va être du plaisir. Hein. Déjà, ça sent bon. Bon, il faut venir hein, pour sentir. Hein. C'est tout. Hein. Il faut sortir un peu. Sortir. Sortir, c'est le mot d'ordre. Voilà. C'est pas un peu gros les morceaux là, il y en a pas... Bon. On va se faire un petit lit de braise. Et ah on, ouais. va se faire, on va se faire. On va se faire. On va se faire ça. Alors ça c'est pas mal l'astuce de Jérôme, ça ouais, c'est non, pas mais mal, là, là, c'est une bonne astuce ça je trouve, une taille. De faire un petit trou sur le côté du feu et de faire un lit de braise, ça fait comme un petit barbecue à part, ça évite bah, de mettre les gamelles un petit peu en porte-à-faux, brinque-ballante, non mais ça c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal, toi on va garder ça. Hein. On peut mieux faire. Non, non on peut pas mieux faire là. Non. Ah, j'ai la fuite dans la gueule. Alors, on va essayer de partager. Encore un lit de braise. Ouais. Non, non, pour le, ouais, pour le bouger un peu, pour que je puisse prendre ta gamelle. Là, c'est lui qui faut que je prenne d'abord. Et voilà, c'est là. Ouh, ça va bien se passer tout ça. Ah ça prend. Ah ouais. Omelette aux pommes à la vanille. J'y crois moi. J'y crois. On va laisser prendre ça pour remettre de temps en temps. Voilà, ces petites omelettes. Ouh, ça a l'air pas mal ça. Il y en a une de prête. Chaud là. Ouah. Non, ça a l'air prêt ça. On va goûter ça. Hein. Allez, j'ouvre le bal. Chaud là, je me brûle. Ah, qu'est-ce qui est chaud? Ah, bah la gamelle, celle-ci aussi, chaude. Je pense que tu vas pouvoir. Ah, oui. Bon, alors, verdict. You read. Oh. Allez, je vais la mettre là, là parce que c'est chaud. Voilà. Bon, le petit dessert, hein. Bon, ça présente comme une omelette. Hein. Bon, c'est une omelette. Ça ressemble à une omelette, mais ce n'est pas une omelette. C'est un semblant d'omelette. Ah, c'est bon. Avec la pomme comme ça, c'est compotée. C'est un semblant d'omelette. J'ai goûté. Ouais. Une bonne recette bushcraft. Il fait chaud hein. Ah, il fait chaud dans cette forêt, c'est incroyable. Putain, c'est dingue, qui c'est qui a foutu le chauffage? Éteignez le chauffage. Éteignez le chauffage, mon sang. Putain, la fumée, c'est pas bon. Alors les pommes à la cendre comme ça, à la braise, hein, c'est. T'as vu hein, ça ouais. Cuit super vite et puis
C'est vraiment... ça fait comme des pommes au four, sauf que là, c'est à la braise. Ah mais c'est bon. Ah c'est bon, hein. Bon. Petite omelette sucrée. Hein. Tu vois ça, on peut faire ça au petit déjeuner le matin. Ah oui, oui, ce serait complet. Ouais. Hein? D'autant plus, ouais, plus sain que... Bon là, on est mal parti pour la garder jusqu'au demain matin, hein, à mon avis. Oh, hein. Bah, on va manger. On va manger là. Oh, c'est bon. Des œufs, des pommes, plutôt au... Du sucre et de la vanille. Du sucre et de la vanille que tu as mélangé. Voilà. C'est vraiment. Et les pommes, je les ai faites avec un petit peu de beurre. Ah ouais. Je les ai badigeonnées. Enfin, j'ai mis un peu de beurre dans la papillote. Voilà. Ouais. Non, mais non, c'est très bon. Voilà. C'est très bon. Encore un nouveau dessert. Encore un nouveau dessert. Ouais, ça fait deux desserts. Banane chocolat. Les bananes chocolat, c'est super bon. Et il y a encore à essayer le pain perdu. Ah oui, c'est vrai. Parce que le pain perdu. Oh, ça sent le chacal. Bon ben bien dormi par intermittence hein, et puis intermittence. Ouais. Non mais ouais, un petit peu froid. T'as eu froid? Ouais, un petit peu. Mais ça va. Hein. Ouais, j'ai dormi quand même. J'ai bien dormi. Ouais, bien dormi. Bon, il a plu. Ouais, il a plu. Ouais. Ça a réveillé un petit peu. Ouais. Il a plu et puis. Voilà. Et ouais, je sais pas, j'ai dû avoir un petit peu froid. Bon, bah c'était une bien belle soirée hier et puis. Oh le bordel dans ce coin. Et puis ouais, avec la pluie. Ouais, il a plu, c'était prévu d'ailleurs. C'était prévu un peu de pluie dans la nuit. Ça m'a réveillé d'ailleurs. Mais bon, là ce matin. Ce matin ça va. Là j'ai plutôt bien dormi, moi j'ai pas eu froid du tout. Alors ça c'est vraiment bien quoi. Donc c'est pas mal. C'est pas mal.